Rivex se mobilise pour le Tour de France, bien qu'on n'ait pas de passage du Tour de France, mais le Tour de France c'est un événement pour le département, puisqu'on va avoir quand même 3 jours de présence de cette épreuve sur notre territoire départemental. Donc on s'est dit que Bricbec avait sa part, d'autant plus que Bricbec est quand même une patrie du vélo, puisqu'on a une équipe cycliste qui est assez performante. D'abord l'UCB Cyclisme, qui est le club de base du cyclisme à Bricbec, mais aussi le team Bricbec Cotentin, qui s'illustre dans pas mal de courses. Et en plus, on a un champion de France qui est Thibaut Valogne, qui est aussi quelqu'un qui porte les couleurs de Bricbec assez loin au niveau national. Cet après-midi, il y a eu des parcours d'organiser pour les enfants de l'école maternelle en particulier. On a eu aussi, bien avant ça, en amont, des clubs de retraités qui nous ont fait des maillots, qui sont suspendus derrière moi et qui servent de décoration, qui vont servir de décoration d'ailleurs pour la Sainte-Anne. Il va y avoir en plus cet après-midi une Zumba party d'ici quelques instants sur la place des Buttes, des concerts qui vont être organisés à la fois par un petit groupe de musique française et puis notre harmonie municipale, et puis un parcours donc qui compte pour le Super Manchot, donc qui est une épreuve départementale avec des coureurs chevronnés bien entendu, mais avant ce parcours sera testé au début par des marcheurs et des joggeurs et ensuite par des cyclistes amateurs qui pourront pratiquer pendant une heure dans les rues de Bricbec ce parcours, et puis s'éprouver un petit peu sur les différentes côtes qui seront attaquées par les cyclistes. L'école maternelle a fait des travaux manuels et en art plastique autour du vélo, autour du Tour de France, donc avec un certain nombre de travaux très variés, que ce soit des travaux plastiques ou des peintures à l'effigie du Tour de France, soit en s'inspirant des affiches, soit éventuellement en s'inspirant du vélo en général pour le décliner sous différents aspects. Et on a vraiment une exposition de qualité qui est au Chartrier tout de suite et qui est disponible toute la semaine, donc qui pourra être visible par tous ceux qui viendront dans la cour du château. Et bon, ils se sont vraiment dévoués. Je crois que ce qui caractérise vraiment cet événement, c'est qu'il y a une mobilisation de beaucoup d'associations dans différents domaines, que ce soit le comité des fêtes qui nous a aidés à décorer la ville, que ce soit les écoles qui se sont mobilisées, les différents clubs sportifs, le club de Zumba. Tout le monde s'est vraiment mobilisé pour faire de cet événement un événement de rayonnement départemental, qui est d'ailleurs inscrit dans l'ensemble des appels à projets qui ont été appelés par le département pour pouvoir illustrer un petit peu ce Tour de France et émailler tout le long du mois de juin l'annonce de l'arrivée du Tour de France sur nos terres. À bientôt sur tevie.tv.